Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 8 mai 2012. Microsoft avait été dans le passé condamné pour abus de position dominante et s'était vu contraint de proposer aux utilisateurs un écran qui leur offrait le choix du navigateur web qu'ils allaient utiliser. Voici venir la version 8 de Windows et notamment sa déclinaison pour les processeurs ARM. Alors les processeurs ARM équipent aujourd'hui massivement les smartphones et donc c'est tout naturellement que les tablettes se sont, je dirais, principalement équipées avec ce type de processeur qui offre un rapport puissance-économie d'énergie extrêmement intéressante. Ceci bien évidemment au détriment des processeurs de chez Intel ou AMD qu'on retrouve classiquement sur les postes de travail, les porteurs ou les serveurs. Et donc Asa Dötzler, qui est en charge de la communauté des développeurs Firefox, qui est aussi un trublion notoire, a soulevé un point non sans importance de l'architecture technique de cette version 8 pour ARM, à savoir la nouvelle interface de programmation associée à l'interface graphique Metro qui est destinée aux smartphones et aux tablettes. Et donc, il a constaté que les applications produites par Microsoft, et notamment Internet Explorer 10, avaient accès à l'API dite de l'interface classique de Windows. Alors, voici un schéma pour être plus clair. Alors, cet accès, comme vous le voyez, offre à Internet Explorer la possibilité de faire appel à des fonctions plus puissantes, notamment pour l'exécution de code JavaScript qui est utilisé abondamment par les services web comme Gmail, Facebook, Twitter, etc. Alors, ce ne serait pas bien grave si cet accès n'était pas restreint aux seules applications écrites par Microsoft. Ainsi, le navigateur Firefox devrait se contenter des seules fonctions de Windows RT, comme on le voit sur le schéma, ce qui, toujours selon Asa Dötzler, ferait fuir les utilisateurs qui préféreraient à ce moment-là se reporter sur Internet Explorer. Ce problème pourrait également être valable pour d'autres applications, et donc, de fait, les applications Microsoft seraient favorisées par rapport à toute autre application en provenance de n'importe quel autre éditeur. À ce stade, Mozilla a déjà commencé à porter plainte auprès des autorités, alors à la fois aux USA et en Europe, auprès des autorités de régulation, du commerce et de la concurrence. Ces dernières ont déjà annoncé qu'elles allaient effectivement étudier le dossier et voir un peu plus en détail le problème. Alors, cependant, cette fois, il sera difficile d'arguer de la position dominante de Microsoft dans ce dossier, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il est quasiment absent, je dirais, du marché des tablettes, et pas tout à fait, mais presque des smartphones. Il semble clair donc que Windows cherche à verrouiller sa tablette et donc à optimiser le fonctionnement de ses propres applications au détriment des autres. Alors j'avoue avoir un peu de mal à voir les gains de cette stratégie, car on sait que les utilisateurs sont désormais attachés souvent à un navigateur plutôt qu'à un autre et risqueraient de ce fait de rejeter Windows 8 pour cette raison. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.